Il était une fois une gentille petite fille qui se réveillait dans la joie et la bonne humeur pour le plus grand plaisir de sa maman. Ça, c'est uniquement dans les contes de fées. Parce que en réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Le lit ne ressemble plus à un lit, les draps ne sont plus à leur place, je galère pour sortir Sindel de son lit, elle rechigne, elle se met en position du cloporte. Bref, c'est la vraie misère. Allez, petite peste, sors de là! Mais au final, c'est toujours moi qui gagne. Après ce combat à la déloyale, direction le petit-déj. La règle numéro 1, c'est de ne pas parler à Sindel avant qu'elle ait avalé son premier Nesquik. La règle numéro 2, ne pas parler à Sindel avant qu'elle ait avalé sa première tartine. Bref, on n'a pas le droit de lui parler, quoi. Pas vrai, mon petit chat? T'es trop mignonne, qu'est-ce que je t'adore. Trop aimable. Alors ce que je fais du coup pour pas déranger sa seigneurie, je vais lui chercher ses fringues. Mais comme d'habitude, je suis en retard dans mes lessives, donc l'armoire est quasiment vide. C'est super. Petit-déj à peine avalé qu'on n'a pas le temps de se reposer. Allez hop, la toilette. Les chicots, on se change. Hop. Les accessoires, les petits chouchous. Allez, maintenant c'est parti pour 15 minutes de coiffage. Enfin, quand je dis coiffage, c'est plutôt du démêlage de crinière. Et ça va crier, et ça va hurler, et il y a des nœuds partout, 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 je sais pas comment elle fait. Pourtant, je les lave et je les coiffe la veille, mais c'est toujours pareil, il y a plein de nœuds partout. Ça finit en cri, ça pleure, ça hurle. Ouais, en fait, ça finit toujours en pleurs. Ça y est, tout le monde est prêt? Allez, on y va! Parce que comme d'habitude, on est toujours un petit peu en retard. Sinon, ce serait trop facile. Allez, allez, on se dépêche! Roule ma poule! Non. On n'a pas le temps de discuter. Allez, roule! C'est tout droit. On n'habite pas très loin de l'école, mais on se débrouille toujours pour arriver en retard. Et faites exprès, Sindel prend toujours le chemin à l'envers. Allez, allez, dépêche-toi, c'est dans ce sens! On va encore arriver en retard! Et voilà, qu'est-ce que je disais? En retard. Heureusement pour nous, il y a toujours quelqu'un qui a pitié de nous et qui nous ouvre le portail. Alors, autant vous dire que la morning routine chez les décibels, c'est du sport. Et voilà, c'est terminé pour cette première morning routine. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager. Et surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Ah oui, et j'allais oublier, si vous faites partie de nos fidèles abonnés et que vous êtes en mode public, je vous invite à nous laisser votre date d'anniversaire sur la vidéo prévue à cet effet qui est FAQ et anniversaire. Et nous vous souhaiterons un joyeux anniversaire la semaine où sortira notre vidéo. À bientôt!